Bonjour, je m'appelle Yves Emmanuel, je suis coach vocal et écrivain et aujourd'hui je vais vous montrer trois astuces pour chanter. La première astuce, c'est apprendre qu'il y a différentes zones de résonance dans la voix. Et donc du coup, il faut apprendre à discerner ces zones de résonance, passer par exemple de la voix pleine à la voix de tête. Dans une chanson, ça peut donner « Hello Koyango Nini, Téléma ». La deuxième astuce, c'est ce que j'appelle les deux A et T. C'est attaque, attitude, trajet et terminaison. L'attaque, c'est la façon avec laquelle on va faire la première note. On ne fait pas un « ah, ah », mais on fait un « ah, ah », on attaque directement la note. L'attitude, c'est la façon avec laquelle on va se positionner, toujours les épaules droites, on se tient debout et on ne crispe pas ses muscles. Le trajet, c'est la façon avec laquelle on va tenir. Et ça dépend du souffle. Et donc, du coup, il faut apprendre à bien prendre son souffle et à bien le retranscrire pour tenir pendant le trajet. Ah ! On coupe le son en coupant le souffle et non pas en fermant la bouche. C'est-à-dire, je ne coupe pas le son en faisant parce qu'en fait, je fais des petites notes qui peuvent être fausses, mais je coupe le son en coupant le souffle, c'est-à-dire « ah ». Et comme ça, c'est coupé, net, c'est parfait. Et la troisième astuce, on se trompe souvent entre deux qualités du son qui sont la hauteur et l'intensité. Et en général, quand on nous dit « chante plus fort », on chante plus haut, et quand on nous dit « chante plus haut », quelquefois on chante plus fort. Alors que quand je fais une note qui est la même, « ah », et qu'on me dit de chanter plus fort, je dois faire « ah ». Mais si on me dit de chanter plus haut, je change de tonalité et donc je fais « ah », ce qui est complètement différent. Chanter plus haut ou plus bas, ça s'apparente davantage à changer de tonalité. Et chanter plus fort ou plus doux ou moins fort, ça s'apparente à changer d'intensité. Et pour finir, je vais chanter doux puis fort, le même refrain. « Hello Koyango Nini, Téléma. Hello Koyango Nini, Téléma. » Et là, je vais faire une variation de tonalité, ce qu'on appelle une tonulation. « Hello Koyango Nini, Téléma. » En gardant la même intensité, mais en changeant de tonalité. « Hello Koyango Nini, Téléma. »